à toutes et à tous et bienvenue dans cette finale qui opposera Hullington et Classford. Donc c'est la finale de cette première édition du Next Set Soccer League. On va maintenant passer aux compositions. Et donc l'équipe est au complet, ils tentent pour la première fois un 4-4-2 qu'ils n'avaient pas tenté lors de cette demi-finale qui a été très difficile pour eux face à Kingsley, mais ils se sont finalement imposés au terme d'une séance de pénalty très longue. Arthur Faure est d'ailleurs remis de ses blessures, il pourra donc débuter en tant que titulaire. De son côté, Hullington continue son sans faute, aucun but encaissé depuis le début et à chaque fois une victoire dans le temps réglementaire, aucune au penalty. Ils se sont imposés en fin de match contre Arnhem City 2-0 après une rencontre largement dominée par les joueurs en bleu. Hullington qui part favori car au match précédent, le premier match d'ailleurs de cette saison, ils les ont écrasés 4-0, donc le score était sans appel. Classford quant à eux vont essayer d'inverser la tendance, une équipe qui a été remaniée, donc il y a de quoi avoir des espoirs, ça va être en tout cas une belle finale. L'arbitre de la rencontre sera Kylian Bouchako. Et voici donc ce coup d'envoi, cette première balle qui est directement renvoyée dans le camp des Bleus. Ah. Allez, une première opportunité peut-être. Une belle passe en profondeur bien jaugée et peut-être que malheureusement non. Non, le gardien est bien sorti. Bravo à lui. On voit les rebonds quand même. Ouais, vraiment au niveau. Bon, mec, il a laissé à Pernod. Oula. Oula, quelle erreur! Oula. Et ça laisse une énorme opportunité pour Enzo Baron. Oulolo! Baron qui... Wow! Alors oula, là, s'il n'y a pas faute, attention. Il faut sortir le carton, monsieur l'arbitre. Aïe, carton orange, hein, clairement. Il y a une vraie opportunité de but, c'est le dernier défenseur. Au moins qu'il se replace, mais qui joue pas du tout le ballon. On peut voir, oui, qu'il continue juste sa course pour obstruer le passage de Baron. Ouais, et là, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment une opportunité. J'espère que la sanction sera à la hauteur de l'opportunité de but. On peut voir même via le regard de Mercy, il était pas du tout en train de regarder le ballon, mais plutôt devant lui. Ah non, mais là il y a largement faute et il n'y a pas eu de carton. Donc c'est très généreux. Franc. On espère pour eux. Tiré, bien arrêté par... Bien oh, arrêté, et but repart, et c'est le but hors incroyable. Hors jeu. Le but. Hors jeu. Ah, malheureusement. Hors jeu, c'est la décadence. Ça conteste. La désillusion pour les jaunes. Alors, est-ce qu'Enzo était hors jeu? Oui. Il était hors jeu, Alexandre n'avait pas du tout suivi par contre. Donc il y aurait eu quand même but s'il n'était pas hors jeu. Enfin, ça doit faire mal au moral, surtout qu'ils auraient pu inscrire le premier but contre cette équipe qui n'en a, je rappelle, encaissé aucun depuis le début de la compétition. Et surtout les faire énormément douter, je pense que ce sera quand même le cas même si le but a été refusé. Alors, il y a l'air d'avoir une joli geste, attention. Ah, faute. Et non, main faute. Au visage. Tu réclames le joueur bleu. Ah oui, ah oui, ah oui, il y a une main au visage de la part de Loan Rivière. Il y a clairement volonté de nuire là, ce niveau. Il a mis une tarte. Et ça aurait mérité un petit carton, ça également. Hein. Ah, peut-être que comme il n'a pas mis de carton au bleu, il n'ose pas mettre un carton au jaune, il est clément des deux côtés. Alors Miguel qui va tirer souffrant. Ouh, le ballon. Ouais. Il redescend pas assez. Bien tenté, mais malheureusement ça ne passera pas. Il y avait de l'idée, mais ouais, pas assez fort. De toute façon, il était sur la trajectoire, Burtin. Il était sur la trajectoire largement, donc il fallait plus de force et surtout faire un peu mieux redescendre le ballon. Le mur avait été très bien placé. On va le récupérer. Pas Nathan Laurent. Ça part en centre. Ouh là, ça peut être intéressant. Ouh, oh là là, c'est dommage. Hein. C'était bien couvert, mais c'était limite. Les jaunes mériteraient quand même. Dans la finalité de marquer au moins un but. En tout cas, moi je leur donne cette première mi-temps. C'est certain. D'accord, deux occasions. Les plus concrètes, du moins. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on aura du temps additionnel? Pas l'impression. Pas l'impression qu'on en aura beaucoup. Arbitre laisse jouer. Ah. Pour l'instant, c'est toujours pas annoncé, effectivement. Ah. Ah bah, sifflet. Et ça siffle. On va tout de suite passer aux interviews d'entre deux matchs. Et on se retrouve juste après pour cette deuxième mi-temps. Bon, le match a du mal à se décanter, tu m'expliques comment? Il y a la fatigue surtout qui joue. Ouais, il y a la fatigue des deux côtés, ça c'est sûr. Je pense qu'aussi ils ont vu qu'il y avait une autre équipe qu'au match de poule. Ah bah si, au match de poule, à mi-temps il y avait un 0. Il y a un vrai contraste entre 4-0 et là 0-0, parce que là vous avez des cartes à jouer quand même. Vous avez des cartes à jouer, et puis même on a enfin trouvé la touche. Vous avez marqué un score en jeu, il n'y a pas grand chose près. Voilà, c'est oui, ça. Donc moi je pense qu'on a les gagnants, on va gagner. Vous êtes le métronome un petit peu de l'équipe. Vous avez battu 4-0 cette équipe en phase de poule. Cette fois-ci, elle vous tient tête. Est-ce qu'il y aura des regrets si jamais vous n'allez pas au bout? Ouais, on ira au bout. On a toujours tombé dans la surface.
Voilà. D'accord. Encore. Il y aura un penalty sifflé. On a un objectif, c'est 0 but cuit. En vrai, une vraie remarque, vous savez bien jouer en vrai les coups. Merci. Après, c'est à l'arbitre de pas se laisser avoir. C'est à l'arbitre de pas se laisser avoir. En tout cas, bon courage. Merci. Merci. Bonjour et nous revoilà dans cette deuxième période, donc on va enfin savoir peut-être qui va remporter cette finale et donc le titre. Est-ce que ce sera Hullington le grand favori ou Classford l'underdog? On va voir s'il y aura quelques changements peut-être. Et un tir très audacieux de Miguel da Silva qui part limite en corner. Donc niveau changement, Joy Mermetti va céder sa place pour Melvin Marty. Et petite accélération peut-être de Ryan Hanard. Effectivement. Qui vient trouver un peu de solution. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a un centre, peut-être. Tendance à dire... Ah, malheureusement, c'est contre. Ça se renvoie la balle sans cesse. Ça tente une percée vraiment... contre favorable. Voilà, ça va être compliqué. Ah, ça va loin, ça va loin, ça peut être. Mais malheureusement, non. On a récupéré du gardien, il a bien suivi. Une belle percée, quand même. Effectivement. Il y a quelques joueurs qui peuvent encore se permettre de courir presque à leur plan potentiel, mais ça commence à devenir vraiment compliqué. Il y en a qui s'arrêtent pas. Et là, c'est bon. Oh, belle occasion. Ah, j'y ai cru. Je pensais que ça allait vraiment faire une occasion de but. C'est assez frustrant d'avoir tant d'occasions des deux côtés et de rester un peu sur sa fin. Au contraire, ça repart de l'autre côté. Oh, Enzo Baron qui a peut-être une... Oh, il est tout seul. Enzo Baron, il peut pas rater. Ninja, là où il n'y attend pas. Oh, ah, malheureusement, non. C'est du gâchis. C'était donné quasiment. Ah, il tombe. Je crois qu'il y a une simulation là. Il y a une simulation grossière. Est-ce qu'il s'est pas fait mal en retombant peut-être? Je pense honnêtement que. Il a juste voulu lâcher prise parce qu'il a vu que ça ne rentrerait pas. Ah, ça dépend des arbitres. Arbitre hein. Ça dépend des arbitres. Des fois, pour des touches, il n'en rajoute pas. Oula. Oula. Oh là, la retournée acrobatique qui passe ça à rien. Elle passe à rien celle-là. C'est vraiment dommage, on aurait pu avoir du beau spectacle. On aurait sûrement eu le plus beau but de cette saison, en finale. Il se la remet. Il faut avoir du culot pour tenter ça. Hein. Effectivement, faut vraiment être sûr de soi. Pourtant, c'est pas le meilleur joueur qui la tente. Alors, Ryan Hanard. Grosse percée. Ah, grosse faute. Et Titouan Germain... peu emmerdé la situation. Ah, il était lancé à pleine vitesse avec la fatigue, c'est vrai que c'est quand même. Ça va, il y a un petit pied qui dépasse, il pensait toucher le ballon. Ah, il y a Nanar qui peste pour avoir la faute. Trajectoire, on peut s'amuser là. Ouh, c'était pas loin. C'est pas perdu, il y a un coup à jouer. Et Léon Rivière qui n'hésite pas à changer de côté quand il s'agit de défendre. Là, faut lui donner des opportunités, on vient pas l'aider, ouais. On laisse galérer. Mais il a bien lutté, le corner. Il a récupéré le corner, c'est très bien. Par contre, c'était un peu trop proche du gardien. Après, dans certains cas, ça aurait pu fonctionner, hein, clairement. Locatelli qui va charger du corner. Oula, là il faut vite... Ah, c'est dommage, c'est pas passé loin. L'angle était pas des plus faciles. Il a quand même réussi à se la remettre. Benjamin Badoil. Et après, malheureusement, c'est pas cadré. C'était quand même par rapport à l'angle dont il part, c'était très bien, mais c'était un peu difficile. Oula. Oula, qui récupère le ballon? Locatelli. Belle sortie du gardien. Ah, dommage, des occasions. Franchement, c'est vraiment dommage. Il n'est pas encore marqué, Locatelli. Ça aurait été son premier et son meilleur but. Il aurait pu sauver et quasiment assurer la victoire de son équipe. Ça aurait été très beau, une très belle histoire. Oula, la faute assez grossière. Ryan qui prend quand même pas mal de coups. Après, Ryan, on le connaît, il a quand même beaucoup de sang-froid. Il sait qu'il est là pour jouer et non pas pour se disputer. Ça se bagarre pour le ballon.
C'est récupéré par Axel Maillot. Axel Maillot qui va tenter une percée. Alors, comment ça va se passer? Ça combine bien dans la surface adverse. Ah, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, faut la faire devant, là. Ah, malheureusement, un peu trop tard. Il était dans le ballon. Pas mal. Allez, centre. Ah, c'est trop loin. Alors, oula. Bon ballon récupéré là. Bon ballon, mais il y a personne pour l'aider. Oh, un skip peut-être. Oh, dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Il s'en veut énormément, le milieu de terrain offensif. Lucas Gens. Ah, c'est vraiment dommage. Ça aurait été un joli but. Il a tenté quelque chose d'acrobatique. Une minute de temps additionnel. Une minute. Plus. Pas chercher loin. Allez, on va passer à la séance de pénalty. Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur cette séance de pénalty du coup. Allez, Loan Rivière qui va se lancer. Ouh, transformé. Transformé, plein axe. On précise encore que le gardien des Bleus justement est peut-être un peu plus à froid. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion vraiment d'arrêter le ballon, ce qui est tant mieux pour la compétition en globalité. Ouh, mais Loan qui fait un mauvais geste, vous avez vu ou pas? Loan qui lui met le ballon sur le côté, comme ça, pour titiller un peu. Ça, c'est le genre de geste qui ne m'aurait pas plu du tout. Je pense que j'aurais mis une golden, pas deux. Une droite, pas deux. Et Mike Locatelli qui va devoir lui répondre via un but. Répondre par le jeu, c'est la meilleure des solutions, effectivement. Oh, petit temps d'arrêt. Contre-pied, impeccable. Impeccable. En espérant que cette séance soit un peu moins longue que certaines autres séances. Le soleil en plein dans les yeux. Oh, c'est arrêté, magnifique. Quel arrêt, arrêt. Quel arrêt. Arrêt. Voilà. Incroyable arrêt. Et là, il va falloir que Antoine Pernaud concrétise. Comme ça, ils garderont l'avance. Oh, oh, c'est dommage de perdre une avance si vite. Pas comme ça, pas après tout ce que tu as fait. Alors, il a un peu plus de cheveux que le protagoniste de base, mais... Ah, c'est vraiment dommage. Et ils sont déjà tous revenus à égalité. Et attention, bien joué. Et c'est transformé. Bien joué. Simple, efficace. Contre-pied, parfait. Et malheureusement, on est toujours dans le suspense. Hein, Ça veut pas se décanter pour l'instant. Miguel qui a déjà raté un penalty en demi-finale. En espérant que ça ne lui porte pas préjudice. Après, ça reste un bon joueur, mais. C'est vrai. À voir. Est-ce qu'il va pas tenter quelque chose de rocambolesque? Une Panenka. Une Panenka. Il fallait bien une Panenka pour ce genre-là. Mais plus, ça passe. Marche, donc c'est le principal. C'est vrai, ça aurait pu vraiment ne pas passer. Voilà, c'est parfait. C'est devenu un cimetière. Et... Et l'arrêt. L'arbitre qui conteste. L'arbitre qui explique que le joueur était trop avancé. Oh oui. Oh oui, il y avait quand même 2-3 pas de plus. Alors on sait qu'il a laissé quelques fois le valider, il a quand même quelques fois validé les pénalties. Voilà. Oh, il s'est rentré. Impeccable. On sait que quelques fois il a validé quand même les pénalties, mais il n'y avait pas autant de pas d'avance. Après, pour le coup, je l'aurais pas accordé celui-là personnellement. Ouais, non, heureusement qu'il l'a refait tirer, regardez. D'accord, il y avait peut-être un peu d'avance encore sur celui-ci aussi, mais comme ça rentre, certainement le meilleur joueur de la compétition, Luca Pizzighini. Il doit avoir beaucoup de pression parce que c'est un tir très important, au-delà même du fait que il faut le marquer. Tout en force et sans regarder. Sans regarder, on va le voir sur le ralenti. Il a regardé derrière lui. Très taquin. Très taquin. Et on voit que l'équipe bleue tente beaucoup de... Tentent beaucoup de choses différentes, alors que les jaunes tentent la sécurité. On sait dans quel camp est la peur. Certainement l'un des joueurs les plus importants aussi dans cette équipe jaune. En tout cas en attaque, ça c'est certain. Il a été très 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 décisif lors de cette compétition. Remarquable. Impeccable. Impeccable. Un petit peu central, mais ça rentre, c'est ce qu'il faut. Ça aurait été très cruel qu'il le rate, vu que son but a été refusé hors jeu. Et que dans la demi-finale, si je dis pas de bêtises, un but censé être validé a été refusé car l'arbitre avait sifflé avant. Et alors là. Bon. Et ça rentre, incroyable. Impeccable. Plat du pied. Quasiment lucarne.
peu considéré en lucarne quelque part. Un peu bas, mais. L'arbitre n'avait aucun... Enfin, l'arbitre. Le joueur n'avait aucune chance de l'arrêter. Et à savoir que le capitaine qui a 100% de réussite au pénalty, Antoine Hernoux, ne tirera pas pour cause de blessure. Là, il faut pas rater. Oh, au-dessus de la barre. Oh là là, au-dessus de la barre. C'est l'erreur à ne pas faire. Et là, là, il y a un vrai coup à jouer pour Linton. Une vraie opportunité de se qualifier. Là, c'est la victoire. Ouais, de se qualifier, de gagner, pardon. Ah, il s'en veut. Regardez, effectivement. Il a mis tout en force, mais un peu trop haut. Et Romain Mercy qui va peut-être assommer cette équipe de Classford, sachant que s'il marque, c'est fini. On me dit dans l'oreillette que Romain Mercy a se fait caca culotte. Certainement. Les moments de vérité. Oh, c'est rentré! Il et c'est la victoire! C'est la victoire! Hullington, champion! Première étoile! Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. On peut dire que sur le parcours général, Hullington le méritait. Ah, c'est vrai que c'est l'équipe qui n'a encaissé aucun but dans toute la compétition. Qui a marqué. On voit de belles images. Qui a marqué certainement le plus de buts. Voilà, l'équipe des jaunes. Que je viens consoler. Et l'équipe de supporters accrue de l'équipe de Classford. Alors, par contre, il y a invasion du terrain, ça va pas du tout là, dégagez de là. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se laisse pour les interviews. Au revoir. Vous étiez favori, vous avez quand même dominé relativement toutes les équipes. Ouais, mais le match a été serré, mais bon, on a su se démarquer. C'était la fatigue. Il y a eu des légers doutes par rapport à la fin, pour une équipe que vous avez beaucoup dominée. Finalement, elle a réussi à vous faire douter jusqu'à la fin. Vous avez jusqu'au pénalty, ça a failli pas passer. On a essayé de prendre panache. On a pris 0 but. En tout cas. Même les beaux pénaltys, tu vois, du contenu, franchement, nous on était même pas là. On était là pour rigoler. En plus, on n'est pas tiré en pénalty. On n'est pas tiré de pénalty, j'en ai loupé un pendant les matchs. Ouais, mais tiens, je mets ma Panenka. Ouais. Ça rattrape. Oui, mais il tombe tout seul aussi. Hein. Ah non, mais y a pas de soucis. Bon, j'espère que vous allez conserver votre titre la prochaine saison. Bien sûr, ça se pose même pas la question.